Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 12 mars, il est 19h07. J'ouvre le vlog seulement maintenant, je me suis levée à 16h45. Ça fait du bien de dormir, j'avoue. Là, on vient de regarder le vlog de Jenny, quoi, du moins. Moi, j'ai écouté, parce que Jen, elle est sur le canapé, et puis moi, j'étais sur mon lit, voilà, en train de faire mes petits trucs. Je viens de faire des bretzels au chocolat, un peu style action. Voilà, parce que j'avais beaucoup aimé ceux de Action, mais j'avais déjà beaucoup aimé ceux que j'avais fait avant de découvrir ceux de série chez Action. Excusez-moi, j'ai réfléchi que je n'ai pas de chocolat sur la bouche, parce que je suis en train de finir pour pas gâcher le chocolat, donc avec des complexes. Oui, je mange un petit déj à 19h, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je suis encore au café, voilà. Donc aujourd'hui, le fondant, c'était le fondant framboise, il sent super bon. Voilà, ils sont super bons. On a un petit problème avec Chacha. Quoi, on a un petit problème. Charlie s'est un peu fait mal à la patte. Donc, il n'arrête pas de pleurer. Donc, on a regardé, on n'a pas trouvé. Quoi, Jen a regardé, on n'a pas trouvé ce qui pouvait l'embêter. T'as appuyé sur ses griffes? Ouais. Bizarre. Donc, on ne sait pas. Peut-être il s'est peut-être coupé avec son carton. Ou... Parce qu'en fait, il a un carton Amazon où il se fait ses griffes dessus. Et peut-être qu'il a pu se couper un petit peu. Peut-être qu'il a pu se couper un petit peu, on sait pas. C'est l'autre patte. Ouais, mais il est pas tout normal. Ouais, mais c'est bizarre. Donc voilà, donc en tout cas, bah, les chiens, moi, faut que je coupe les griffes à Melba. Je sais pas si vous allez voir. J'ai hérité d'une belle balafre, voilà, au réveil. Donc Melba, on va couper les griffes, hein. Bah oui. On s'est couché, il était presque 6h du matin. Du moins, Jennifer s'est endormie, il était, on va dire, minuit et demi, 1h. Non, elle s'est endormie vers 1h05, je crois, j'ai calculé. Et après, elle s'est réveillée vers 3h30. Moi, j'attendais pour envoyer un message, puisque voilà, j'attendais 5h30 pour envoyer un message, pour souhaiter bonne journée à mon chéri, puisque bah, il se lève, il se levait à 5h30, bah, il est obligé pour le ramadan, il est obligé de se lever avant le lever du soleil. Donc voilà, moi je ne suis pas habituée, de toute façon je n'avais aucunement sommeil. Et après, Jen s'est rendormie encore avant moi. Le temps qu'on se couche, elle s'est encore rendormie avant moi. Ah, Jen a fait une bonne cure de sommeil, je vous le dis clairement. Mais de toute façon, là-bas, c'était prévu qu'elle vienne et qu'elle dorme et qu'elle rattrape, qu'elle décompresse et que tout ça, qu'elle se change les idées. C'était le but de sa venue. Donc voilà. Donc là, d'ailleurs, elle a réparé sa clope électronique. Quoi. Une de ses clopes électroniques, elle a réussi à la réparer. Elle marche plus? Ah putain, merde. J'ai parlé trop vite. Fallait, elle a changé la mèche, ça marchait 30 secondes et puis là, ça marche plus. Ça marche plus. Bon, tant pis. Ok. Après, ça me fait un peu chier que les clopes aient cramé dû à la coupure d'électricité. Un peu ballot. Excusez-moi, je loquais. C'est quand même un peu ballot que la clope ait cramé comme ça. Quoi. Les clopes, parce que les deux, en fait. Donc, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre quand même qu'elles aient cramé en charge pour une coupure d'électricité, sachant que normalement, c'est pas... La coupure n'est pas censée faire cramer, quoi. Et qu'elle est toute neuve. Et qu'elle en a une qui est toute neuve, oui. Donc voilà, donc écoutez, là j'avoue que je n'ai plus de commandes, je suis un peu triste. On n'a plus de travail avec Jen. Et je rappelle que c'est pas Jen pour Jeanne, c'est Jennifer. Voilà. Ou Tati Gilberte. Ou Jean-Claude. Jean-Claude. Voilà. Voilà, donc c'est Tati Gilberte, si vous préférez que... Quand je dis Jen, c'est pas Jen comme dans Tarzan, quoi. C'est Jennifer. Voilà. Et en fait, donc voilà. Donc après, donc on prévoit un live bientôt. On attend que Jennifer soit au mieux de sa forme. Parce qu'elle a encore bah, sa rage dedans. Mais par contre, je pense qu'il faudrait qu'on fasse le live sur mon lit. Si ça ne te dérange pas. Ça devrait aller. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que je mets la ring light là. Et comme je dois voir les commentaires, si je la mets sur le... Non, mais si je mets, c'est juste pour savoir si toi ça te dérange ou pas de venir sur le lit. Non. Ok. Donc, parce qu'en fait, comme j'explique, moi je mets la ring light là sur le côté.
ou la mettrais devant, derrière le PC. C'est juste pour pouvoir lire les commentaires, parce qu'en gros, comme je ne vois strictement rien et que les commentaires s'affichent vraiment sur le téléphone et des fois un peu, ça bug un peu sur le PC, ça serait plus simple pour moi, parce que comme ça, je peux en même temps virer les trolls, faire tout de à côté, parce que si je mets la ring light sur la table et qu'on est sur le canapé, je verrai pas le téléphone. Je verrai pas les commentaires et je pourrais pas virer les trolls parce que je serais trop loin du téléphone. Voilà, donc on va s'organiser ça. On nous avait proposé vers 20h. Voilà. Après, on ne sait pas quel jour, hein, ni quelle année. Voilà. Non, je connais. Ça, c'est rien. Donc voilà, donc on va faire un live un jour. Et je rappelle qu'il y a toujours la FAQ sur Jennifer. Nous avons quelques questions, pas beaucoup. Donc, il faudra que Jennifer réponde aux questions. D'ailleurs, je ne les ai toujours pas notées, il faut que je les note. Donc voilà, donc en tout cas, vous avez posé quelques questions sur Jennifer. Si vous vouliez mieux la connaître, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser des questions. Voilà. Après, si c'est des questions sur nous deux, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, on répondra ou pas. Voilà, non, je déconne. On répondra. Si c'est trop personnel, on ne répondra pas, ça c'est sûr. Et j'ai dit, bien sûr, les questions, c'est dans la bienveillance et dans la gentillesse, chose qu'on ne devrait pas répéter, mais malheureusement, sur les YouTube, on est un peu obligé de répéter la bienveillance et la gentillesse, parce que des fois, les commentaires sont un peu trop méchants et on s'en passe bien. On s'en passe bien. Mais après, voilà. Donc oui, hier dans le vlog, j'ai officialisé ma relation. Je sais que ça va remonter aux oreilles de ma famille. Ça, je le sais. À la base, j'ai mis sur Facebook que j'étais en couple. Je n'ai pas dit avec qui. De toute façon, je ne l'ai pas dans mes amis Facebook. Donc comme ça, c'est fait. Mais ça n'a rien à voir. De toute façon, voilà, c'est un truc comme ça. Après, voilà, donc je sais que ça va remonter aux oreilles de ma famille. Je l'ai dit à mon père parce que j'ai dit, est-ce que maman elle a parlé à machin de ce que j'avais mis sur Facebook? Mais non, je crois pas et tout. Je sais parce que si cette personne le sait, je me fais chambrer. Bon, voilà. Mais comme le vlog, une de mes sœurs regarde et mes nièces regardent, ça va très vite remonter aux oreilles de tout le monde. Mais je m'en fous totalement. Voilà. Je suis heureuse. Voilà. Donc c'est le principal. Franchement, ça me fait énormément de bien. Donc comme quoi ma vie a changé en presque 2 semaines. Vie sociale, chérie, tout ça, voilà, c'est totalement différent. Totalement différent de ma vie d'avant. Totalement différent de ma vie d'avant. Donc voilà. Donc oui, pour revenir aux commandes de mon entreprise, je rappelle que donc nous, on n'a plus de travail. On n'a plus de travail. On prépare plus de commandes depuis 3 jours. C'est inquiétant. Je rappelle que vous pouvez passer commande sur le site lesfondantsparfumeryenano.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié du code hop, bienvenue 5, vous avez 5% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat minimum. Bien sûr, le code est valable une fois par personne. Donc, si vous l'avez déjà utilisé, malheureusement, vous ne pouvez pas le réutiliser. Mais par contre, je pense que c'est une fois par compte, pas une fois par personne. Je pense qu'il se base sur l'adresse email enregistrée et non sur l'adresse postale. Moi, je pense, hein. Parce que je pense que, imaginons, il y a un couple qui habite la même adresse qui s'enregistre sur 2 comptes différents. Je pense que le code fonctionne aussi. Si vous voulez essayer, vous pouvez essayer et me dire si vraiment ça fonctionne. Parce que ça se trouve, je raconte des grosses conneries depuis le début. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas que c'est pas très grave. Mais après, dites-moi si ça fonctionne ou non. Voilà, excuse-moi, j'ai un coiffure approximatif comme ma gueule, hein. Pas approximative, ma tronche. Ouais, j'ai les yeux, ça va, j'ai bien dormi. Mes yeux ont récupéré leur couleur bleue. C'est vrai que bah ouais, tout change, donc ouais. Donc l'entreprise, mon but serait toujours d'en vivre. Voilà, mon but serait toujours d'en vivre.
Pour l'instant, j'ai presque fait une commande par jour. J'ai dû faire 10 commandes depuis le début du mois. Ouais, j'ai dû faire 10 commandes depuis le début du mois, donc je vais pas me plaindre. Nous sommes le 12, donc ouais, c'est des fois j'ai 2 commandes par jour, c'est pour ça que je dis que ça fait 3 jours qu'on n'a pas eu de commandes. Je dis on parce que Jen travaille hein, avec moi. Bon, elle n'est pas rémunérée, la pauvre. C'est grave. Hein. Bon, elle est logée. Ouais. Blanchie nourrit. Voilà. Logée, blanchie et nourrie. Ça, blanchie, c'est clair, les machines à laver. Ça te change de la laverie. Donc voilà, donc écoutez, moi je suis au café. Je suis surtout à ma mixture cornflakes chocolat. C'est la mixture des roses des sables. Mais là, je mange ça comme ça. C'est juste pour pas gâcher le chocolat que j'avais fait pour les bretzels. J'en avais fait un peu trop. Il n'y a pas de gâchis. On ne gâche rien. Ça, c'est sûr. Faut arrêter de jeter. Voilà. Faut arrêter de gâcher. Donc, hier, nous avons mangé la pizza au poulet. Mais ça, je vous l'ai dit. Mais donc, ce soir, on continue. Je vais la manger froide parce que la pâte sera molle. Parce que c'est vrai qu'elle croustillait vachement. Et Jen, elle avait mal aux dents pour moi. Donc voilà. Mais après, moi, sans la pizza, je la préfère. La pizza froide, ça me dérange pas. Ça, il n'y a pas de problème. Je peux manger froid à la pizza, il n'y a pas de souci. Et bientôt, on fera notre second poulet rôti. Nous avons des pommes de terre. Nous avons des pommes de terre. Donc, ce sera poulet aux patates. Voilà. Ouais, farci avec des oignons pour le poulet. Donc voilà. Oui, parce que je mets toujours des oignons dans le derrière du poulet parce que bah, ça donne du goût. Ça donne du goût au poulet. Et après, bah, moi, je le fais cuire environ 1h45 à 2h. Alors, ça peut paraître long pour un poulet de batterie, clairement. Mais au moins, je suis sûre qu'il est cuit, il est tendre, il n'est pas sec. L'avantage, c'est qu'il n'est pas sec parce que je mets du beurre et de l'huile hein, dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Melba se faxe sous la couette. Melba, te cache pas, faut que je coupe tes griffes. J'ai mal au coude encore. Ça fait mal quand même. La balafre, là. Donc, écoutez, je vous dis à toutes. Il est 2h16 du matin, en même temps, oui. Nous dormons pas, nous regardons Shadowhunter en même temps que Jen joue à ses jeux. Moi, je regarde la série parce que mon téléphone est en train de marcher de base. Melba, ça suffit. Donc, mon téléphone est en train de marcher parce que bah, il fallait qu'il refroidisse un petit peu. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser. Parce que moi aussi, j'ai fait des jeux puisque c'est pour gagner de l'argent. Je vous mettrai le lien d'invitation en barre d'infos sur l'application. Donc en gros, le principe, c'est vous jouez à des jeux, vous téléchargez des jeux, vous jouez à des jeux, vous avez des objectifs à réaliser, vous gagnez des pièces et les pièces se transforment. Le mieux, c'est les cartes cadeaux Amazon. J'ai demandé un paiement PayPal de 1 euro. J'attends voir s'il va arriver sur mon compte.
puisque Jenny a déjà demandé là, un paiement PayPal qui n'est jamais arrivé. Donc on verra bien. Donc sinon, bah, si ça ne fonctionne pas, je demanderai des cartes Amazon, tant pis. Mais sinon, j'aurais quand même perdu 1 euro, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ouais, je vous mettrai tout l'application barre d'infos avec le lien d'invitation du jeu. Là, nous avons donc mangé pizza. J'ai presque dégommé tous les bretzels au chocolat que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, parce que j'ai fait des bretzels au chocolat. C'était très très bon. Ouais, bon, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Mais après, j'ai dégommé. Après, j'ai dégommé les tomates. Ouais, ce soir, j'avais faim. Ce soir, j'avais faim. Je sais pas pourquoi j'avais faim ce soir. J'ai mangé 2 parts de pizza. Bon, pas des grosses, hein, mais j'ai mangé 2 parts de pizza. Voilà, donc c'est la galère. Quand on a faim, je comprends pas pourquoi j'ai faim. Donc, c'est bizarre. Normalement, je n'ai jamais faim. Je mange par obligation. Bon, des fois, on a un concerto d'estomac entre Jennifer et moi. Nos estomacs communiquent, alors qu'on n'a pas spécialement faim, c'est juste la digestion. Donc voilà, donc en tout cas, là, j'ai fait une machine hier que j'ai étendue. Il faut que je fasse la machine des moules que j'ai fait la dernière fois. Parce que la fois, quand j'ai fait des fondants, quand j'ai fait du réassort, j'ai oublié de laver les moules. Donc il faut que je mette mes moules à laver, donc je le ferai demain. Quoi, demain? Tout à l'heure, dans la journée. Et puis, il faut aussi que je lave les draps de Jen. Donc voilà, donc je laverai ça. Je pense que le linge est sec. Donc je pense que je pourrai laver les draps demain. Et aussi, je dois tourner la vidéo produit terminé demain. Donc tout est fait demain. Donc j'attends la vidéo produit terminé. Donc je pense que vous l'aurez maintenant jeudi à 18h. Puisque là, vous aurez ce vlog mercredi. Je ne sais pas quand je tournerai, à quelle heure je tournerai la vidéo produit terminé. Donc, de toute façon, elle ne sera pas en ligne mercredi à 18h. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un peu l'heure où je commence les vlogs et que, ben voilà. Donc, en général, on se lève tard. Ça dépend. Du moins, moi, je me lève tard. Jennifer se lève un peu plus tôt. Donc, elle attend que j'émerge. Elle attend que j'émerge en essayant de faire le moindre bruit possible. Mais bon, après, bah, c'est comme ça, hein. Moi, quand elle dort, je la laisse dormir. Elle me laisse dormir. On fait des compromis, c'est normal. La colocation doit avoir des compromis, hein. On peut pas forcer quelqu'un à avoir les mêmes habitudes que nous. Même si on est des couches tard, elle a moins de sommeil que moi, de besoin que moi. Mais après, je prends plus de traitements qu'elle. Parce que là, elle a dormi 3 jours sans prendre un médicament. Mais là, elle a repris un médicament hier, mais elle était debout avant moi. Donc, le médicament est plus léger pour elle, sachant que moi, j'en prends plus qu'elle. Mais après, j'ai ce besoin de traitement pour dormir. Donc, c'est comme ça et pas autrement. On a décrété que Muffin était dépressif aussi. Muffin a un peu un air dépressif. Hein, mon couillon, t'es dépressif, mon chien? Ouais, bon, lui, total déprime. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Tu déprimes, mon chien? Je sais pas ce qu'il a, hein. Il est bizarre, tout mou du genou, puis toujours à nous regarder avec des yeux tristes, alors que pourtant il n'est pas triste, il a des câlins, des bisous, il est nourri, logé, blanchi, il a plein d'affection, plein d'amour, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a, il n'a aucun signe de douleur, ou je sais pas, il pleure pas, ça c'est Charlie qui pleure en général. Charlie miaoute, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi miaoute, ouais, d'accord. On ne sait pas pourquoi Charlie miaoute. Muffin, tu ne t'appelles pas Charlie? Muffin, tu ne t'appelles pas Charlie? Bah oui, j'allais dire, c'est quand que tu viens. Non, regardez ce jaloux-là. J'ai dit Charlie, c'est mort. Range ta langue toujours, hein. Tu dois toujours ranger ta langue. Non, pas de bisous. Pas de bisous. Mon bébé chien. Mon dépressif. Bah oui, tu mets ta patte sur maman, t'as peur qu'elle s'envole. C'est toi avec tes paraboles qui vont s'envoler. Oui, je sais. Je sais. Oui, câlin, je sais. Je sais, câlin, câlin, gratouille, gratouille, gratouille. Je sais tout ça. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, mon bébé? T'es tout bizarre en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux de quoi? T'as un problème de quoi?
Mais non, il peut pas être jaloux de Charlie, je touche à peine Charlie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'es bizarre, hein? Pourquoi tu déprimes? Pourquoi tu déprimes? Oui, bah je t'ai dit pourquoi tu déprimes, il regarde Charlie. T'arrêtes de déprimer, mon chien. Tout à l'heure, je vous ai filmé un passage de justement Melba qui joue avec Charlie, chacun d'un côté de la corde. Après, Charlie a mis un coup de patte à Melba. Bon, c'était pas méchant, hein. Il a juste mis un petit coup de patte. C'est pas comme quand il a balafré Muffin, qui n'a pas de balafre d'ailleurs. T'as pas de balafre sur la truffe? Montre. Mais non, t'as pas de balafre sur la truffe. T'as un peu saigné, mais c'est rien, c'est une égratignure. Tu vas t'en remettre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes Jennifer, tu regardes Charlie. Mais c'est moi, maman. Maman, c'est moi. Et si Jennifer a fait des caresses à Charlie, c'est normal. C'est son chat. Toi, tu es mon chien. Viens faire câlin à maman. Viens faire câlin à maman. Hein? Mais non, pas bisous. Viens faire câlin à maman. Ah, ta tête. Regardez cette tête de dépressif, là. Il fait une dépression, ce chien. Il fait une dépression, bébé. Oui. Mais t'arrêtes, oui. Il n'est pas possible. Nous avons perdu nos hommes. Ils doivent s'être endormis. Ni Jen et moi n'avons eu une bonne nuit. Ils ont dû s'endormir devant la patte patrouille. Hein. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, ouais. On ne sait pas. De toute façon... Je ne sais pas à quelle heure on s'endormira, donc si on s'endort encore tard, j'enverrai encore un message à 5h30. Quoique j'ai eu une réponse, c'était 8h30, hein. Bon, je dormais déjà, mais bon, c'est pas grave. J'ai toujours mal à ma balafre, elle fait super mal, hein. La balafre de Melba, elle fait super mal. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, oh, d'accord. Non, non. Non, pas de bisous. Donc écoutez, j'ai commencé le montage du vlog. J'ai commencé le montage du vlog. Donc ça va. J'ai filmé ouais 10 minutes ce matin. Quoi ce matin? 10 minutes ce soir quand j'ai pris le vlog. Plus un peu le fondant du jour. D'ailleurs, il faut que je fasse le tirage au sort du fondant de demain. Ah, je vais faire le tirage au sort du fondant de demain. Comme ça, oui, je reprends un peu les tirages au sort parce que c'est vrai que bah, j'ai arrêté un peu les tirages au sort. Bah, c'est pas très grave. De toute façon, je brûlais quand même des cires, mais pas les miennes. Ouais, faut bien que j'utilise les cires que j'ai aussi chez moi. Donc, il n'y a pas que mes fondants chez moi, j'avoue. J'ai d'autres cires à brûler. Donc, voilà. Donc, écoutez, je fais le tirage au sort du fondant de demain et je vous reprends. Hop, tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est pêche. D'accord, super. Donc voilà, j'ai fait le tirage au sort du fondant de demain, qui sera le fondant pêche. Alors pour vous donner une idée de l'odeur du fondant pêche, si vous avez connu la fragrance, quoi, l'odeur pêche de chez Yves Rocher, c'est exactement ça. À l'époque, quand moi j'allais chez Yves Rocher, les galets de bain, les gels douche, tout ça, les parfums à la pêche, c'est la même odeur. Donc, si vous avez connu l'odeur pêche de chez Yves Rocher, c'est la même. Vous pouvez y aller si vous avez aimé cette odeur. C'est exactement la même. Donc, il n'y a pas de souci. J'adore l'odeur. Je ne l'ai pas testé en fondant, mais quand j'ai fait les fondants, je connais l'odeur. Donc, ça va. Mais je ne l'ai pas encore fait brûler. Donc, ça sera une première du brûlage du fondant pêche. Mais après, quand j'ai fait les fondants, je peux vous confirmer, c'est l'odeur pêche de chez Yves Rocher. Ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis un peu perdue parce que bah on était perdu dans Shadow Hunter. Donc après je me suis dit c'est vrai qu'il faut quand même que je prenne un peu le vlog. Vous allez dire, mais encore pourquoi il faut qu'elle prenne le vlog? Vous allez dire c'est de la faute à Jenny, elle est perdue. Non, c'est pas de la faute à Jenny. C'est juste que bah, comme j'ai une vie sociale, je ne pense plus forcément à prendre le vlog. Mais je vais continuer à faire les vlogs tous les jours, donc je ne veux pas de... Ouais, c'est la faute de... Non, c'est mon choix. Si je ne veux pas faire de vlog, je n'en fais pas. Si je veux faire un vlog, j'en fais.
Faut pas mettre la faute sur le dos de quelqu'un, ça m'énerve quand on fait ça. Donc voilà. Donc en tout cas, oui, ma vie a changé. J'ai une vie sociale. J'ai rencontré quelqu'un, voilà. Donc voilà, c'est juste comme ça. Donc oui, tout a changé en presque 2 semaines, en à peine 2 semaines. Tout a changé dans ma vie et je remercie la vie de m'avoir que Jenny soit arrivée dans ma vie grâce à Gwen, hein, tout simplement Gwen LRT, à qui j'ai envoyé des fondants, qui a fait une story Instagram sur les fondants et Jenny est arrivée dans ma vie. Là, on a commencé à papoter, elle m'a passé des commandes et puis finalement, on s'est rencontrés. Novembre. On s'est rencontrés en vrai en novembre. On parlait avant puisque tu voulais déjà m'aider à emballer pour septembre. Donc on doit peut-être se connaître depuis juillet ou juin. Je sais plus quand j'ai envoyé les messages à Gwen, mais c'était sur mon ancien Instagram. Et malheureusement, sur mon ancien Instagram, bah, j'ai plus accès parce que je me suis fait pirater mon compte. Voilà. Pardon, excuse-moi. Donc voilà, donc en tout cas, bah voilà, je perds Jenny, elle se couche. Non, j'ai mal au dos. T'as mal au dos? Ouais, allonge-toi, ouais. Donc bon, écoutez, là je papote pour rien dire et c'est pas terrible pour vous. Vous encore dire, elle dit qu'elle est désolée, machin et tout. Bah oui, je suis désolée. Je veux pas que vous trouviez que mes vlogs deviennent nuls. Voilà. Mais j'avais l'impression aussi que mes vlogs plaisaient presque plus quand j'étais seule, quand j'étais déprimée. Donc je ne sais pas. Est-ce que le bonheur de quelqu'un peut faire changer le regard des gens? Voilà, c'est la question que je me pose. Parce que c'est vrai que, bah alors là, le vlog d'hier, quoi, le vlog d'aujourd'hui pour moi, donc le vlog d'hier pour vous, a fait énormément de vues dans la journée, tout simplement parce que bah il y a un titre qui est accrocheur, mais c'est la vérité, c'est pas un mensonge. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que quand les gens vont bien, bah ça marche moins parce que j'ai l'impression que en fait les gens quand on a une vie triste comme j'avais avant, quand on a une vie nul, on va dire clairement, hein, une vie sans vie. Hein. Les gens regardent et doivent se dire, mais en fait, c'est mieux, il y a pire que moi. C'est la façon dont je voyais les choses. Mais en fait, au final, j'ai l'impression que comme je vais mieux en moins de 2 semaines, bah, je me pose la question si ça vous dérange, si ça change quelque chose pour vous, si ça change votre point de vue sur ma vie. Voilà. Mais pour moi, il n'est arrivé que du positif. Donc j'aimerais bien que vous soyez heureux pour moi plutôt que vous aimiez ma vie monotone, sans vie d'avant, ma vie où je me plaignais tout le temps. C'est vrai que je passais mes vlogs à me plaindre. Mais au final, est-ce que c'est mieux que je me plaigne ou est-ce que c'est mieux que je sois heureuse? C'est la question que je me pose et que je vous pose. Donc à vous de choisir, à vous de me répondre. Voilà, vous avez 4 heures. C'est le sujet philosophie du jour. Voilà, vous avez 4 heures. Après l'âme sœur que je pense avoir rencontrée au final, comme quoi tout arrive, hein, l'âme sœur se trouve pas forcément là où on le pensait. Ça nous tombe sur le coin du nez sans qu'on s'en rende compte. Et au final, ce n'est pas à qui on aurait pensé un jour. Mais comme Jennifer dit, il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas si je vous avais raconté l'histoire de la photo de Laïa. En fait, quand Laïa est décédée, je vous l'ai dit. D'ailleurs, vous avez peut-être mal interprété la chose. Bon, je n'ai pas eu de commentaire négatif là-dessus. Je n'ai même pas eu de commentaire du tout. Parce que c'est vrai qu'on a ouvert le avec un re et on était morte de rire. Et moi, j'entame sur le chien de mes parents est décédé. Voilà. J'étais triste, mais après, j'étais préparée. Et le lendemain, en faisant mon lit,
Je trouve une photo sur mon lit qui est tombée de mon mur. C'était quoi? Une photo de Laïa bébé. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Donc c'est comme dit Jen, il n'y a pas de hasard. La seule photo qui tombe, c'est la photo de Laïa le lendemain de son décès. C'est quand même bizarre. Donc voilà. Et après, bah, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Que Jen vienne habiter à la maison et que je rencontre un homme, c'était pas prévu, mais au final, on est presque identiques sur certains points, certaines choses, des choses qui peuvent sembler bizarres. Bon, je vais répéter le mot bizarre, je crois, mais finalement, qui sont, qu'on peut dire. Qui sont, comment on peut dire, je sais pas comment on peut dire, c'est pas un hasard, c'est qu'ils sont presque, comment on peut dire, t'as pas un mot, Jennifer, pour m'expliquer? Quand c'est pas un hasard, mais qu'on, sais, qu'on est fait l'un pour l'autre, et c'est écrit. Il n'y a C'était pas pas le de mot, c'était pas le hasard, mot que je cherchais, mais il n'y a il que des n'y a que des coïncidences. coïncidences, ouais. Donc bon, écoutez, on verra bien comment ça continue. Voilà, on verra bien comment ça continue cette histoire. En tout cas, il est Voilà, amoureux. et on, bah, moi aussi, hein. Voilà, on est amoureux. Il y a eu des je t'aime qui se sont échangés. C'était pas prévu, hein, mais ils sont là. Ils sont là. J'ai pas fait le premier pas là-dessus. Alors que d'habitude, c'est moi qui fais toujours le premier pas. Mais là, voilà, j'ai eu un je t'aime et c'est réciproque. Et voilà, donc voilà, comme quoi il a su casser, non, m'apaiser, me dompter, on va dire, façon de parler. Il a su briser les barrières que j'avais sur certaines choses que je m'étais mise alors que j'aurais jamais dû. Donc voilà. Donc écoutez, là, on va reprendre Shadowhunter, quoi. J'attends que Jennifer se calme le dos. Je vais remettre mon téléphone à marcher, on reprend Shadowhunter, je reprendrai pour clôturer plus tard. Salut. Il est 4h10 du matin, on vient de finir un épisode de Shadowhunter. Là, je crois qu'on va aller dodo. Hein. Sérieusement, je commence à fatiguer sévère. Donc voilà, je vais aller me coucher. Jennifer doit prendre un médoc et aller au dodo aussi. Non, d'abord deux médocs, oui. Elle a un antibiotique à prendre et un truc pour dodo. Moi, je vais prendre mon traitement. Faut fermer la fenêtre, ce serait pas mal. Oui, j'ai dit que j'allais Ah fermer oui, la d'accord, tu fenêtre, vas au c'est pas fumoir. Donc voilà, donc on a le temps. Quoi, on a le temps? Non, moi, je suis crevée, donc on va bien aller dormir, mais j'attends que Jen se couche. oui, allez, je vais y aller. Non, mais t'inquiète, on a le temps. Et donc voilà, donc là, je n'ai clôturé le vlog, j'ai fait le montage. Donc ça va, il est plus long que les derniers vlogs que j'ai fait récemment. Parce que récemment, j'ai fait des vlogs de 15-20 minutes. Donc je pense que ça pouvait ne pas plaire, c'était peut-être trop court. Il y en a, ils aiment les vlogs longs, il y en a, ils aiment les vlogs courts. Mais là, j'avoue que donc le vlog doit durer peut-être 30 ou 35 minutes, je ne sais pas. Donc, ouais, donc je viens de clôturer le vlog. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!